Bonsoir, cher Jeff, ça va bien ? Ça va bien ? Plays well with others, joue bien avec les autres, ou en harmonie avec les autres, c'est le titre de votre album, et c'est la base de la musique, du collectif, particulièrement en jazz, et particulièrement dans ce domaine des orchestres. Il y a des magnifiques sons d'orchestre sur votre album, d'orchestre jazz, et donc c'est le plaisir de jouer ensemble et de jouer en harmonie, c'est ça qui vous motive, Jeff ? You know, écoutez. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Well, oui. They're gone now. Mais ils sont déjà partis. Là. Yeah, playing. Non, non, playing. Jouer with, these, avec ces gars-là et cette dame en particulier, c'est spectaculaire. Et you know, jazz, j'aime ça. Le jazz, you know, comme vous le savez tous, c'est une conversation et ça doit être spontané, un événement spontané. Eh bien, moi j'aime ça. J'ai toujours été amoureux de ça et je le suis encore. You like jazz? You all like jazz? Vous aimez le jazz tous? Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. On vient d'entendre Moon River, évidemment, qui nous évoque le souvenir d'Audrey Hepburn, de Breakfast at Tiffany's et la musique de Mancini. Il y a d'autres standards. J'étais impressionné par la reprise que vous faites de In the Wee Small Hours, chanson des années 50, immortalisée par Sinatra, où vous avez mis un rythme de bossa nova et quelques notes, quelques mélodies des eaux de Mars, Aquas de Marceau de Jobim. C'est vous qui avez eu l'idée de ce mariage, de ce mélange ? On l'a fait dans les deux derniers albums. On fait des petits mélanges comme ça. Un standard de jazz et puis autre chose. Non, ce n'était pas mon idée. C'est l'orchestre, c'est le groupe. C'est eux qui ont fait ça. Qui est-ce qui a fait cet arrangement? Je crois que c'est Joe Bagg. Et John Story ont fait le gros de tous les arrangements sur ces morceaux. Et c'est fabuleux. Moi, j'aime bien ces deux chansons dans la version de Frank Sinatra. Vous connaissez la chanson? Et puis, les eaux de Mars, ça me tue, ça me déglingue. J'ai toujours aimé ça. Yeah, I'm crazy about it. Ah ouais, ça me rend dingue, c'est vrai. Ah, c'est dommage que vous fassiez si court. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde d'entendre un peu plus encore notre ami chanter, parce que vous aviez chanté sur ce même plateau la dernière fois que vous étiez venu, une chanson qui nous a touché énormément. Je pense à Fernande. Oh, you know it, you know it. Vous la connaissez? George Brassens, effectivement. 1, 2, 3. In Jurassic Park, scary in the dark. I'm so scared that I'll be eaten. On va tous être. Est-ce que vous avez appris une nouvelle chanson en français, en dehors de Fernande, quand je vois faire? You know. My kids, my wife is French. Her mom. Is from Nantes. Elle vient de Nantes, where I visited, que j'ai visité, bel endroit, et elle parle particulièrement le français à nos petits garçons, Charlie et River, 5 et 7 ans, et ils chantent toujours des chansons, oui, et ils sont bilingues. Ouais, comment c'est cette chanson? Frère Jacques, ils chantent beaucoup de choses comme ça. On vous aime, nous, évidemment, depuis La Mouche, L'Étoffe des Héros, Independence Day, Jurassic Park, Jurassic World, des films cultes, et on vous voue un culte. À vous, Jeff, carrément. Il y a des sites qui vendent des objets dérivés, des rideaux de douche, des verres de vin. Ouais, vraiment. Et même des puzzles avec cette photo en particulier, tirée de Jurassic Park, est devenue un mème. Et vous vous êtes vous-même amusé à la refaire il y a quelques années. Mais c'est vous, voilà. C'est vous qui avez décidé de vous mettre torse nu, Steven Spielberg, vous ne l'avez même pas demandé. Oh, you know, all that time ago, in 93, en 93, les gens m'ont posé des questions. J'arrive pas à me souvenir comment c'est arrivé. C'était au milieu d'une prise. Et moi, je ne me souviens pas s'il m'a dit Jeff, je crois que t'es blessé. Je sais pas si c'est lui qui l'a dit. Je pense pas que ce soit moi qui l'ai dit. Non. Non, tu penses pas que tu devrais enlever ta chemise? Non, non, je sais pas comment ça s'est produit. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolé, c'est tout ce que je peux faire.